La Lonassie veut se doter d'un bâtiment de production de contenu audiovisuel, une œuvre architecturale spécialement destinée aux agents du service de la communication. L'objectif du projet étant de satisfaire et créer plus de proximité avec sa clientèle. Les travaux, censés durer 12 mois, offriront un bâtiment comportant deux annexes sur une superficie de 1800 mètres. Ce projet est important pour nous. Ce projet est important pour nous tous. Il s'agit en effet de doter notre entreprise d'un complexe audiovisuel moderne, fonctionnel à la pointe de la technologie. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a investi plus d'un milliard de francs CFA pour la construction de ce bâtiment. L'entreprise de bâtiment des travaux publics Soroubat est en charge du projet. Donc on veut vraiment contribuer au développement de tous les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, y compris Lonassie, et contribuer au développement de son réseau et de ses infrastructures. Rappelons que pour la réalisation de ses contenus audiovisuels, la Lonassie faisait toujours appel à des structures extérieures pour satisfaire ses besoins internes.